pour nous. Salut à tous, ici Iva Sound Studio, toujours... toujours. On continue Volant de 2, tout simplement. Eh bien, avec moi, toujours Jake, hein, ici présent. Salut. Et puis voilà, ouais. On est reparti. On était où ? J'étais sorti de la ville. Ah oui, j'étais parti au McDonald's au présent, c'est ça ? Oui. Sauf que maintenant, j'ai un drapeau pirate, donc je peux prendre mon bateau. Et tu peux voyager dans le temps comme tu en as envie. Ouais, et surtout, bah, je peux aller là. Maintenant que je suis un pirate, hop. Ah ah ah, c'est bien courageux de vous attaquer à notre père, mais nous n'acceptons que les défis lancés par d'autres pirates. Oh, vous avez un drapeau pirate, mais c'est le drapeau du légendaire pirate Robert. Venez pour le défi, c'est ça ? Oui. Donc là, on va récupérer sûrement les richesses de Robert et voilà quoi. Et peut-être donc un fragment. Eh bien, maintenant que je peux passer... Ah, d'accord. Attends, oh non, 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 je viens de lire. Enfin, je viens de comprendre ce que je viens de lire. Ah, oh, ça va être une action... Je sais plus comment ça s'appelle, mais genre Street of Rage et tout ça, là. Oh, c'est possible. Oh, j'aime pas ça, genre les vieux... Des vieux jeux... Je me souviens d'un jeu... Les Tortues Ninja, comme ça, mais quel enfer. Ouais... Bon, bref, je vais me remettre à lire. Hein. Bah... Tu oses nous défier, les pirates de la baie ne seront pas vaincus si facilement. Ouais, mode beat'em all. Ouais. Alors, c'est quoi les touches ? Ok, bah j'ai juste une touche pour taper et une touche pour sauter. Si toi, tu peux effectuer un coup de pied en l'air en attaquant. Giga ! Non, je veux pas go. Je vais rester ici pour assurer tes arrières. Ah, d'accord. Bon, bah en fait, je suis obligé d'être avec mes noms. Bon, c'est parti. Alors, je peux détruire l'environnement et tout. Pour, j'imagine, dropper de la vie, quoi que ce soit. Ah, c'est vraiment comme dans les... Pif, paf, ouf. Pif, ouf, pif, paf. Ah, mais non. Ya. Yeah. Je suis vraiment pas fan de ce style de jeu, quoi. Je préfère Bayonetta. Ça n'a rien à voir. Eh, c'est un beat'em all, Bayonetta, la tech. Oui. Mais en 3D. Aïe. Mais punaise. Ah, lui, il m'a foutu là, hein, ça. Tiens, meurs. Après un saut, saute à nouveau pour asséner un uppercut. Comment ? Ah, comme ça. Waouh. Et dans les sacs de bouffe, y'a rien ? Non. Oh non, y'a une grosse mouche. Si vous entendez bis bis, bah c'est chez moi. Bizarrement. Ouais. Ah, on peut enchaîner ça. Waouh, incroyable. Ouais. T'es coriace, toi, c'est parce que t'as un mandana, c'est ça? Aucune logique. À l'apogée de ton saut, saute à nouveau pour une attaque tournoyante. Ah ouais, d'accord. Félicitations, je t'ai appris tout ce que je savais. Mais, promets-moi de ne jamais en parler à personne. Ok. Si tu veux. Il est bizarre maintenant. Sur le coffre. Non. Oh là là, Jackie Chan. C'est Jet Li. Oui, c'est Jet Li, c'est ça. Oui. Oh, oui, oui. Ah, mais il lance des étoiles ninja, mais... Unique. Tiens. Ah, j'ai pris un niveau. Et je gagne de la vie. Yo.
Youpi, j'aurais bien voulu un peu d'attaque. C'est bien l'attaque. Y'a pas de... Oh non, je ne peux pas passer par là. Je vais devoir monter. J'espère que cette partie du jeu n'est pas très longue, parce que... J'aime pas trop. Oh là là, des punks. Des punks à chien, les fameux. Ouais. Maintenant je vais où? Ah, d'accord. C'est bizarre, j'ai l'impression de gagner beaucoup plus d'XP que quand on était dans le laboratoire où on en a pas gagné alors qu'ils disaient qu'on en gagnait quoi. Ah, je peux aller dans la maison. Waouh, sacré TP. Y a toujours pas de heal dans ce truc ou de... Eh bien, continuons. Oh non, les punks à chiens. C'est le spawn kill. Et paf. Mais arrêtez. Je suis en train de me faire rétamer. J'ai perdu tellement de vie. Donnez-moi l'expérience. Et donnez-moi la patate aussi tant qu'on y est. Et les caisses. Je sais pas pourquoi je prends les caisses, sachant que j'ai une sauvegarde juste là. Mais bon. C'est pas grave. Ah non! Une vue isométrique. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils esquivent et tout. Mais arrêtez. Oh, est-ce qu'ils me mettent? Ils ont tellement d'allonges. Arrêtez. Tu vas mourir, oui. Le pied dans la tête. Oh non. J'ai un micro lag. Yes! Oh, l'insupportabilité de ces monstres. Oh, je vais crever. Oh, mais il y en a encore 20 000 qui arrivent. Oh non, mais je suis mort. Oh! Oh l'enfer, quoi. Difficile. Bon, alors eux c'est insupportable hein, sans déconner. Putain, mais... Ok, un en moins. Tiens. Oh là là, mais quel enfer. Ouais. Oh mais... C'est bon, je peux partir. Ok. Ah oh, mon dieu. Pif. Pif. Ah
fait l'autre là-bas, il tape dans le vide. Il avance très prudemment. C'est pour ça. Distanciation sociale. Ouais, ça doit être ça. Tiens, la distance sociale. Oh là, non, pas Jet Li. Oh, ça y est, ça commence. Mais est-ce que Jet Li jette son lit le matin? Je sais pas. Ça pourrait faire partie de ta question existentielle du jour. Je les faisais que pendant le confinement. C'est dommage. C'était rigolo. Bah, ça reviendra avec un reconfinement. Avec le reconfinement. Le retour du confinement. La vengeance. 2 bis. La vengeance 2 bis du retour de la vengeance. La vengeance de Marie-Joëlle. Mais... Oh, mais eux, je les aime pas du tout. C'est juste chiant pour être chiant. Oh, putain. Et puis, ils font pas semblant de cogner, quoi. Oh là là. Insupportable. C'est bon, on peut y aller. Oh, de la vie. C'est Bruce Willis, le chat. Bon, je sais pas, en fait. J'ai un goût, je suis j'hésitais pas sûr. À le dire, parce que je me suis dit, on va me prendre pour un taré. Jet Li, oui, c'est flagrant. Oui, ça, mais... c'était flagrant, oui. Voici donc ce que nous sommes venus chercher, le fragment du feu. Ah, d'accord. Qui va s'opposer à nous? Nous sommes les intrépides pirates de la baie. Aucun droit à la propriété ne nous résiste. Ah, mais on les connaît, hein. Ce qui est à vous est à nous. Et tralala, c'est ça? C'est pas ça? Il y a eu un accident. Oh non, Kenny est mort! Ils ont tué Kenny! Bon, bon, ouais, c'est toi qui finis alors. Et tralala. Le fantôme du pirate Robert. Il est venu reprendre son trésor. Imbécile, ce n'est pas le trésor du pirate Robert. C'est juste un truc magique que le boss nous a interdit de toucher. Je suis d'accord avec Biggs, si ça avait été le fameux trésor du pirate Robert, le boss serait roi des pirates depuis un bail. À mon avis, c'est un simple pirate déguisé en pirate Robert. Je vous l'avais dit, mais personne ne m'écoute jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait, Biggs? Le boss est toujours aux toilettes et il n'aime pas être dérangé dans ce cas-là. Ok, je lui avais dit pourtant que ce poisson n'avait pas l'air frais. Mais le boss ne m'écoute pas non plus. Je propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre. Mention acceptée. Putain, mais quelle bande de tarés, quoi. Oh. C'est Capitaine Ababa. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle magnifique moustache. Vous êtes venu pour me défier, c'est ça? Je ne suis pas en grande forme aujourd'hui. Mais hors de question que je vous laisse prendre ce truc magie. Mega Clink, cet adversaire-là ne me semble plus fort que les autres. Prends garde à toi. Ouais, mais tu veux pas m'aider? Oh merde! Pif. C'est parce qu'il se sent pas bien, c'est ça? Il s'arrête à certains moments. Oh. Pif. Ah. Oh non, le suplex ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça le suplex. Ça, je sais plus ce que c'est. Oh merde. Bah, je vais mourir. Merde. Mais je tape même pas au bon endroit. Mais qu'est-ce que je suis con. En espérant qu'il n'y ait pas à nouveau le texte. Ça m'étonnerait. Ouais, ça... Ah non, c'est bon. Cool. Ouf. J'ai eu de la chance. Il a tellement de vie, quoi. Mais je me prends des tartes, c'est incroyable, quoi. Et Dieu sait que j'ai pas pris de dessert, en plus, aujourd'hui. J'en sais rien. Mais putain, mais c'est super chiant, quoi.
celui qui a inventé ce style de jeu, mais il savait pas quoi faire de sa vie. Voilà. Et allez, je vais spammer mon coup de poing à l'avant pendant 8 ans et demi. Non mais... Ah, ça me fatigue, sans déconner. Il veut pas me filer un jeu de rythme, là au moins je suis sûr d'être à peu près bon quoi. Ah merde, j'avais oublié que ça commençait. Ouais. Oula, je sais pas comment je vais esquiver ça, mais je suis content. Allez, meurs, Jean-Yves. Enfin, c'est pas Jean-Yves, c'est Capitaine Ababa. S'il faut, il s'appelle Jean-Yves Ababa. Peut-être qu'il s'appelle Cyril. Cyril Ababa? Ouais. Non. Paf! La pastèque! C'est bon, je l'ai bloqué! Je peux plus jouer! Non! Putain! Oh. Ok, bon ben continue. Arrête. Non, continue pas s'il te plaît, arrête. Maintenant tu cesses. Tu cesses tes immondices. Oh! Ce que je lui ai mis à la fin! J'avoue. Bon, au moins c'est fini ce style de jeu. Je veux prendre le truc magie. Donnez-moi l'emblème du feu. Oh. J'ai ramassé le fragment de magie. Ah. Le volcan entre en éruption. Oh là, vite Mega Clink, nous devons fuir au plus vite. Oh bordel, non. J'ai toujours détesté ce genre de passage dans Metroid, donc. Là, je me sens pas bien, là. Oh, c'est mais bien. Quoi? Oh, mais non. Ça va être chiant, ça. Ouais, c'est bon, je peux partir, là. Y'en a un autre? Non, c'est bon. Je suis pas sûr qu'il soit obligé d'être tué. Ben si, parce que sinon j'ai pas le go qui me dit d'y aller. Ah. C'est le problème. C'est dans ce genre de jeu, c'est faut tuer et puis après ils te disent go ou pas. Genre voilà, go. Aïe aïe aïe. Vite, super gland, vite! Allez, meurs. Saleté. C'est bon, je peux y aller, go ou pas go? Go. Dans la maison. On se casse. Vite, vite, vite. Oh non, jette-lui. Jette-lui et jette droit. Ça plus son frère. Mais... Ouais, go, vite, le go là. Allez! Pas que ça foutre. C'est bon, c'est bientôt la fin. Oh. Boum. Aïe. Pif, paf, pouf. Sbam, boum, freeze. Oh non, pas Bruce Willis. Oh putain, mais... Insupportable. Insupportable monstre, Bruce Willis. Bim. Allez, go là. Bon, on se casse. Vite, mes amis, vite. Oui, ben vite, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on atteigne la mer, le volcan risque de tout détruire.
Voilà ce qui arrive quand on laisse les hommes se débrouiller seuls. Ben, ta gueule, t'avais qu'à venir. Et moi qui pensais qu'elle nous remercierait d'avoir bien combattu. Ah ouais, ben moi aussi. Bande de connasses. Oh. C'est bien des femmes, ça. Je sais que tu le penses pas, heureusement. Ah non, non, je le pense pas du tout. C'est juste pour déconner. L'île a été complètement détruite. Je plains presque ses propres pirates. Heureusement, on a récupéré le fragment avec les magies. Attends. Ouais. Ah, succès déverrouillé, triple dragon. Ah, ça devait peut-être être un nom de jeu de choses. Bah, double dragon. Ah oui, putain. Allez, triple finish. Oula, mais il y a encore les flics et tout. Mais je comprends pas, c'est incroyable. Tellement de meurtres près de chez moi. Tu vas me dire, hein, la dernière fois, on a entendu des coups de feu. Enfin bref. Je vis dans un village de thugs. Vraie question. Alors, tu es retourné à Genova, c'est ça? Non. Ah. Je suis au promontoire pour changer d'époque, je crois. Attends, mais d'accord, non, parce que tu pouvais aller à Genova dans le Colisée. Ah, ça y est? Oui. Parce qu'on pouvait pas y aller avant. Mais justement, maintenant, tu peux. Genre ici, ouais, il y a... Ah merde, il a été détruit, ce Magilite. Ah bah oui, c'est le Magilite que l'autre, il avait détruit, qui nous a fait voyager dans le temps en premier lieu. Je suis con, pourquoi je suis venu là, moi? Bon, c'est pas grave. En vrai, je sais plus où il faut aller pour les autres, donc oui, je pense qu'il va falloir que j'aille... Bon, là, je vais à Genova parce que... Mais ils sont tous en PLS. T'es sûr que c'est là? Mmh. Alors qu'ils sont tous en PLS et que je pouvais même pas rentrer dans une baraque? Bon, apparemment, je peux rentrer dans celle-là. Je vérifie que... Y a pas d'autres personnes. Nouvelles. Aïe, mais... What? T'as mon bugué. Bon. Bon, on va dans le... On va aller voir au Colisée, alors si tu me dis qu'on peut y aller. Salut! Oh, vous venez participer au grand tournoi du Colisée? Oui, alors que tout le monde est en train de paniquer. Vous avez affronté ces terribles pirates? Attends, quoi? Allez-y, mais faites attention. Mais... Oh non, mais c'est re le truc! Bienvenue dans le grand tournoi du Colisée! Aujourd'hui, nous allons assister à un combat phénoménal. Entre d'un côté les intrépides, les redoutables et sans pitié, les pirates de la baie. Mais ils vont faire une réunion. Et de l'autre côté, un guerrier surpuissant, doté de mystérieux pouvoirs, seul contre tous, le grand, le magnifique, le légendaire Mugrek Link. Et sans plus attendre, le combat est commencé. Non mais... Et pourquoi tu m'as dit de faire ça? J'ai pas envie de les refaire. Tu vas voir. Mais putain, mais ça me saoule. Bah ils sont nuls, surtout. Oh mais y'a combien de vagues? On est deux cons côte à côte qui n'arriveront pas à se frapper quoi. Ouais, trois. Aïe. Mais... Arrête de courir partout, putain, mais c'est pas possible. Putain. Mais il est insupportable. Et de 4. Ils sont un peu nuls, je leur mets deux coups, ils meurent. Moi aussi, ils me mettent, mais... Ah là là. Et ça n'en finit plus. Et le 6. Oh non. Allez, donc là c'est tout le monde. Cassez-vous. Mais ça s'arrête plus.
Mais arrêtez! Arrêtez de venir vers GL. Pif pouf, spawn kill. Paf, pif pouf, paf, spawn kill. C'est bon, j'ai trouvé la technique. Ouais, level up. Ouais, de l'attaque. Peut-être que maintenant je vais les one shot. Pif pouf. J'ai trouvé la technique. Ah, pas pour eux. Putain. Vous êtes insupportables. Non, ma technique. Mais punaise. Tiens. Et j'ai dit qu'il court partout, mais il est insupportable. Arrête de courir. Tu sais même pas ce que tu fais. Ils viennent par l'autre porte. Ah non. Waouh. Non, 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 faut pas les laisser s'échapper, les Jet-Li. Attention, Jet-Li s'échappe. Ah, il va super vite. Non. Non, des Jet-Li partout. Putain de merde. Non, faut que je reprenne ma technique. De lâche, cela dit. Oh, mais il y en a combien? Oh non, mais... T'es sérieux, là, de me faire ça? Quoi? Non, mais non! C'est de la triche! Ouais, filez-moi de l'XP et de la vie. Non? Merde. Oh non. Non! Putain! Là, il est un peu loin. Fonce! Ah. Ouais, super! Ouais, je recommence tout! Génial! Putain. Non, en vrai, ça me gonfle. Allez, mais viens, fais un effort. Le pire, c'est que je peux apprendre mon niveau quand il faut. Ouais, pas du tout quand il faut. Thank you.
mais putain. Point de vie. Mais merde! Allez, fonce. Ouais, génial. Putain, mais c'est complètement chiant, ça. Hein. Bon, ça m'a saoulé, on fait autre chose. Ok. Tu as obtenu le fragment du feu. Qui sait ce qui va maintenant arriver à ces pirates? Peut-être trouveront-ils un nouvel endroit pour vivre. J'aimerais moi aussi avoir un endroit où quelqu'un m'attend. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé magie. Oui, j'arrive. Alors, tu veux des informations? Ben oui. Alors, la glace, c'est où? Avant que le continent gelé ne commence à fondre. Vivaient les féroces vikings, ils gardent le fragment de glace. Sauf que dans le passé, j'ai pas pu l'atteindre. C'est ça que je comprends pas. De toute façon, il n'y a que dans le passé, parce que là, je peux pas l'atteindre d'ici. Même si je fais le tour. Peut-être qu'il y a un autre port ailleurs. Pour prendre la mer. Je crois qu'il y a un truc là. Cette fois je vais pouvoir y aller d'ici. Tiens, il y a cette forêt aussi là. C'est quoi là? Les ruines magie. Tiens donc. Oh! Pratique pour changer d'époque. Donc on n'est pas ici, donc on va voir. Et nous sommes dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur ici? Oh, il y a Totoro! Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose pour l'instant.
Voyons voir à l'extérieur. Il y a un truc là. C'est quoi? Je peux pas y aller. Ok. Et là-bas, il n'y a rien. Eh ben, c'était vraiment très intéressant. Allez, on passe au passé. Cet endroit, il doit bien servir à quelque chose, quand même. Non, apparemment, pas dans le futur. Alors, et dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Ben, il n'y a plus Totoro. Je suis très déçu. Non, il n'y a rien du tout. Bon. Oula! Le débarquement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, mais c'est Dalkin et le Grand Maju. Vous semblez surpris. Surpris, rien ne m'étonne de votre part, Magus. Mais vous, comment osez-vous? Voyons, colonel, s'il vous plaît, n'effrayez pas mes lieutenants, je vais avoir besoin d'eux. Vos lieutenants? Ce sont les lieutenants de l'Empire. Les temps changent, colonel. Voyez-vous, j'ai servi votre empereur pendant longtemps, mais c'est terminé. Désormais, c'est à moi de monter sur le trône, et j'ai décidé de créer mon empire ici même. Vous êtes faux! Vous n'avez que quelques dizaines de soldats. Dans quelques mois à peine, l'empereur sera ici avec une armée, et vous ne pourrez pas lui résister. Vous faites pas de soucis pour moi, colonel. D'ici quelques mois, une fois que j'aurai fini de conquérir Démonia et de liquider les derniers démons, j'aurai une armée capable de rivaliser avec celle de l'empereur. Comment? À chacun ses petits secrets, colonel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un continent à conquérir. Traître! Oh, mais il est mort. Jean Gratos. Ok. Je dois les arrêter. Bon, on va peut-être les aider. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Mais non. Mega Clink, nous devons faire vite. Démonia n'est pas encore tombé. Il me faut aider mon peuple. Ah, ok. Bon. Et bon, on y va. Salut. Je vous reconnais, vous êtes évadé du Colisée. Comment vous appelez-vous déjà? Ah oui, Mega Clink, c'est bien ça. Que faites-vous ici? Je vois forcément accompagné d'un prince de démonia ou aller d'autres. Ou d'autres aller, bon, c'est pareil. Laissez-nous passer. Désolé, mais vous ne pourrez rien contre eux. Il vous faudrait une armée pour atteindre Démonia. Même moi, je suis impuissant pour l'instant. Il y a peut-être une solution. On pourrait s'allier à l'Empire. Jamais! Une alliance avec Démonia, impossible. Pourtant, ce serait la meilleure solution. Si on laisse faire Magus, le conflit va dégénérer. Les morts se compteront par des dizaines de milliers. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à l'école. Il faut absolument qu'on arrête Magus avant qu'il n'atteigne Démonia. Et c'est seulement en unissant nos forces qu'on y parviendra. Il faut impérativement, atteindre Démonia avant qu'il ne soit trop tard. Et si pour cela je dois m'allier à l'Empire, pour quelque temps du moins, alors qu'il en soit ainsi. Et toi, Dalkin? C'est impossible, je ne peux pas, j'ai des ordres. Nous sommes en guerre contre Démonia. Si ça se trouve, c'est Magus qui a provoqué cette guerre, dans le but de s'emparer de Démonia et de se l'approprier. En sachant ça, tu continues à suivre les ordres? Tu devrais savoir comment les enfreindre pour le bien de l'Empire. Je ne peux pas enfreindre les ordres. Et à qui je pense qu'il nous sera difficile de convaincre Dalkin. À mon époque, il est connu pour avoir mené l'armée qui a combattu Magus. Cette bataille a été une terrible boucherie qui a fait des milliers de morts dans les deux camps. C'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le Rouge. Après cette victoire, si on peut l'appeler ainsi, il a quitté l'armée. Il doit toujours être vivant à mon époque. Je me demande bien où il peut être. Mais je l'ai, son insigne! J'ai trouvé la baraque et tout, donc ça devrait le faire. Nous devons le convaincre de nous laisser passer, il me faut aider mon peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas notre aide? C'est le seul bon choix à faire. Salut. Je ne peux pas.
Acceptez votre alliance, j'ai des ordres. Ah, médaille de l'empereur. Blip. Mais vous avez une médaille de l'empereur. C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous. Bien, je n'ai pas le choix, les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Oui, Dalkin, avec l'aide de Dalkin, vous allez pouvoir recruter et commander une armée. Empêcher Magus d'atteindre Démonia. Ok. Et comment on fait? Attention, une patrouille de l'armée de Magus. Ok, d'accord, c'est du Fire Emblem. Nous devons les éliminer rapidement, sans qu'ils donnent l'alerte. Megaklink, si j'en crois tes amis, tu es un stratège de talent. Je ne peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout savoir de tes capacités. Je te laisse le commandement. Ce sera une bonne façon de me montrer ce dont tu es capable. À l'attaque! Ouais. Bon. Je suis un peu rouillé, cela dit. Charge. Tant que je peux le faire, je vais le faire. Charge. Ah, je peux soin avec elle. Ok. Bon. Ah, c'est ça, défendre. Ok. Et c'était quoi le plus 1? J'ai pas compris. Bon, c'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Je sais pas si elle peut attaquer de long ou pas. J'en glace 1. Ah, putain, c'est un con. Ok. Donc elle va se mettre là. Et elle va faire glace 1. Putain, c'est pas mal. Les archers, faut vite les démonter. Putain, cool. Je l'ai éclaté. Elle doit peut-être tirer en ligne, je pense. Slash, ouais, voilà. Lui, merde. Je vais tuer ça si je peux. Paf. Merde, il est pas mort. Et toi, ben je sais pas du tout ce que tu vas faire. Genre je sais même pas si ça touche mes alliés, c'est le problème. Bon, ben charge un deuxième coup. Putain d'archer. Riposte. Voilà. Jusque là tout va bien. Salaud! Ouf! Ce qu'il lui a mis. Et c'est le super punch. Est-ce que ça touche moi ou pas? Non, c'est bon. Ça touche que les ennemis. Très bien! Parfait, quelle victoire éclatante. Megaklink, tu as l'étoffe d'un grand commandant. Tu sembles décidément avoir de nombreux talents. Continuons à avancer pour trouver un endroit stratégique où établir notre campement. Ben là, c'est pas bien, il y a déjà... J'ai une petite soupe là. Oh, ça ressemble à ça. Le problème. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, je vois 7 niveaux. 7 niveaux en tactical. Est-ce que je vais y arriver? Ça doit être le campement. Ça doit être le campement de la patrouille que nous avons croisé. Installons-nous ici pour l'instant. Écoute-moi bien, Megaklink. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous remporterons de victoires, plus les troupes seront motivées à l'idée de rallier notre cause. Va voir que tu peux... Oh non, va voir ce que tu peux faire depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. Le problème, c'est que j'ai un petit souci, moi, avec ce genre de jeu. Les tacticals, surtout les Fire Emblem, c'est tout simplement parce que dans Fire Emblem, si une unité meurt... Bon, pas dans les derniers. Dans les derniers, c'est un peu plus sympa. Mais dans les anciens Fire Emblem, si une unité mourait, elle mourait. Point. Donc combien de fois j'ai redémarré des combats pour pouvoir éviter que mes gens crèvent? Et j'espère que là, ça va pas faire pareil. Parce que ça va m'énerver. Je crois que les problèmes viennent à nous plus vite que prévu. Oh putain! Monseigneur Magus, les troupes de l'Empire ont débarqué sur nos côtes. Déjà, c'est impossible. Et pourtant, ils nous attaquent. Ce doit être ce satané colonel Dalkin. S'il pense pouvoir contrecarrer mes plans avec quelques soldats novices, il se trompe lourdement.
Tout à fait, monseigneur. Il se trompe. Seul le colonel Dalkin risque de poser problème. Débarrassez-vous de lui et de son armée. Hein ? Et son armée s'effondrera comme un château de cartes. Moi ? Bien sûr, vous. Pourquoi croyez-vous que je vous parle de tout ça ? Je pensais que cela vous faisait plaisir d'être écouté, monseigneur. C'est une question de tactique militaire. C'est censé être votre spécialité, non ? Alors c'est à vous de mener ces opérations. Je vois, je peux refuser. Au combat ! Ouais, ma petite recrue, là. Passons en revue les compétences de chacun. Je peux vous soigner si vous êtes blessé. Je peux repousser de nombreux ennemis en un coup. Je peux geler les ennemis pour éviter qu'ils ne contre-attaquent. Ah, c'est bien, ça. Je peux vous protéger si vous restez près de moi. Je suis nul. Comme d'habitude, il avance et il cogne. C'est vrai que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Parfait, en avant. Ok. Ben toi, tu vas me servir... Oh putain, mais il y a du monde, hein. Ben toi, tu vas me servir de tortue, hein. Donc moi, je vais me mettre là. Toi, tu vas te mettre là et tu vas charger de la glace parce que j'en ai besoin. Toi, tu vas te mettre là, tu vas charger ton pouvoir parce que j'en ai besoin. Toi, tu vas te mettre là, tu vas charger ton pouvoir parce que tu en auras besoin. Et toi, tu es nul. Donc tu vas te mettre là. Ah, il y a 4 archers. Paf. Oh non. Archer pourri. Alors, première chose, elle va faire sa glace. Merde. Si elle... Oh non, je voulais appuyer sur B, j'appuie sur A. Oh non. Bon, tant pis. Là, il y a une belle ligne. Hop. Toi, tu vas te mettre bien là. Et tu vas faire ton machin. Moi, je vais descendre pour l'aider. Paf. Très bien. Et le problème, c'est qu'il y en a là-haut. J'ai peur que le lieutenant fasse bien mal, donc on va se mettre là, et on va protéger. Et toi, tu vas taper. Ah, mais je peux pas... Oui, ils peuvent pas... contre-attaquer. Donc c'est bien. Ok, il a rien fait. Oh non! Ma recrue! C'est bon. Déjà l'archer parce que c'est chiant. Ouais, il a de la vie ce salopard. Paf. Et toi tu vas aider les autres. Ah, mais elle a un arc. Enfin, elle a son truc bizarre en fait. Paf! Oh non, mais il lui reste un point... Oh non. Il va mourir. Et si je me mets moi devant? J'espère qu'il va survivre, mon machin. J'espère que le tactical, il est con et... Oh, il est con, tant mieux. Non! Oh là là. Et dans le dos, ça fait des coups critiques ou pas? Pas du tout. Pif. Ok, et on finit. Paf. Très bien. Je commence à reprendre espoir. Grâce à cette victoire, nous allons pouvoir monter un campement fortifié digne d'accueillir notre état-major. On ne va pas rester dans ce camp tout sale trop longtemps, j'espère. J'ai besoin de liberté, moi. Mais quel connasse. Rassurez-vous, mademoiselle Fina, nous ne resterons pas ici, c'est à nous de prendre le commandement des troupes en mouvement. J'ai d'ailleurs étudié la carte de l'île de Démonia, plusieurs chemins mènent à la capitale. La voie du sud est la plus rapide, mais le gros des forces mobiles des rebelles s'y trouve. La voie du nord est plus longue, mais plus praticable. L'ennemi a envoyé ses machines de siège par cette route. À nous de nous montrer pertinents dans nos choix. Laissons Yaki décider, il sait toujours quoi faire, n'est-ce pas? Tu as raison, on verra sur place, allons-y.
Bon, je peux aller recruter d'autres trucs, là, j'ai gagné plein de points. Mais est-ce que j'attends pas d'économiser pour avoir les trucs les plus chers? Ah! Attends, mon chose, il peut devenir... un archer, mais s'il devient... un soldat, il peut devenir soit un méga soldat, soit un soldat sur cheval. Et les soldats sur cheval sont généralement bons. Ouais, on va faire ça. Hop. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, ça va. J'ai failli perdre la recrue, mais... On verra bien. Alors... Encore une tente de commandement. Il reste beaucoup de matériel militaire. On dirait qu'ils ont fui dans la précipitation. Ça ne m'étonne pas, ils ont compris qui c'est le patron. Ok. Mais c'est de là à partir sans combattre. Hein? Non, je disais, c'est qui le patron? Non. Je pense qu'ils ont dû perdre leur chef qui a sûrement fui. Quand cela arrive, impossible de garder les troupes en poste. Parfait, si notre seule présence suffit à faire fuir les officiers supérieurs de l'Empire, il suffit de foncer. Je vois une tente de commandement là-bas, profitons-en pour recruter des troupes. Mais j'ai plus de points. Comment je le vois, mes points? Ouais, j'en ai 34. Allez. Démon, maintenant, chargez! Mais on est gentil. Je crois que nous sommes fixés. Voilà ce qui a fait fuir nos ennemis. On va devoir filer, nous aussi. Cela me semble compromis pour l'instant. Laissez-moi leur parler. Ce sont des démons, ils ne nous feront aucun mal si je parviens à leur expliquer la situation. Suis aux envahisseurs! Du calme, déposez les armes, je suis Ménon, fils du roi Artus. Je suis venu libérer Démonia. Ménon, celui qui a trahi son propre père en amenant des humains, et qui pactise avec un colonel de l'Empire, à mort les traîtres! Il va être difficile de les convaincre, Ménon. Mais je ne veux pas les combattre. Nous n'avons pas le choix, c'est nous ou eux. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes, j'ai une mission à remplir. Ok. C'est pas très bien engagé en volant. Genre toi, tu vas te mettre là. Ok, il fait pas de dégâts, tout va bien. Toi non plus, super. On va mettre lui en défense ici. Je vais défendre l'archère. Elle va charger. Et lui aussi. J'ai bien fait de la protéger, soigner. Bon. Y a un peu beaucoup de monde, en vrai. Alors, première chose, on va repousser tout le monde. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Elle va soigner. Sans moi, je peux attaquer tranquille. Enfin, tranquille. C'est vite dit. Toi, ce serait bien que tu le tues, lui, en vrai. Ouais, bravo. Hop. Ça, c'est bon. Ok. Oh la vache, ce qu'il a pris, mais non. Velvet aussi à ramasse. Oh la vache. Ok, donc lui il va pouvoir riposter, très bien. Paf!
Ok. Faut tuer les archers le plus vite possible. Non, mais un, genre un. Le chiffre 1. Toi, tu vas soigner. Parce que c'est la galère. Velvet, elle va reculer un peu. Ce serait bien. Attends, d'abord on va jouer avec lui. Il reste très peu de vie donc à lui et à l'archer. Donc ça. Là. Ouais, je vais faire ça. Et on protège. Oh la vache! Ça devient un peu compliqué. Cela dit. J'aurais pas dû faire ça, tant pis. C'est fait maintenant. Ça c'est ok. Ouf. Oh merde. La petite recrue va me taper, voilà. Et on amène vite quelqu'un là. Bon, ça va le faire. Pof. Merde. Et boum. Eh ben, c'était un peu plus tendu. La guerre est toujours une horreur. Nous voilà obligés de combattre ce que nous entendons protéger. Vous m'envoyez désolé, Seigneur, mais non. Je compatis. Courage, mais non. On va arrêter Magus, on sauvera ton peuple. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux ennemis. Il va falloir se montrer d'autant plus prudent. J'espère pouvoir sauver plus des miens que nous n'en aurons tué. Sinon, à quoi bon? Eh ben, je ne sais pas. On se casse. Alors, en haut ou en bas? Mais il y en a tellement à faire. En haut ou en bas? C'est toi qui vois. Bon, en bas. La rivière Kawaii. Ah. Lieutenant, regardez-moi quand je vous parle. Oui. Vous devez à tout prix protéger ce pont. Quel pont? Comment cela, quel pont? Mais celui qui est derrière vous, enfin. Il est complètement con, ce lieutenant. Ah oui, il y a bien un pont. Ah oui, on sent bien le fruit. Voilà, et donc vous devez le défendre. De qui? Eh bien, de toute personne qui voudrait le prendre. Prendre le pont? Mais pour le mettre où? Bon, on va faire plus simple. Vous ne quittez pas ce pont des yeux. Et si quelqu'un approche, vous le mettez en joue sans sommation. C'est bon? J'ai été clair cette fois, je pense. Bon, c'est pas faux. En joue? Sommation? Quel abruti! L'ennemi semble bien préparé à défendre ce pont. Je ne sais pas si une attaque frontale est la meilleure des stratégies. Et si on utilisait la ruse? On va pas pouvoir aller au Valhalla. Qu'est-ce donc que cela? C'est une façon de gagner sans combattre. Nous autres démons appelons ça de la lâcheté. J'imagine que c'est une question de point de vue. Réfléchir un peu avant de foncer ne peut pas faire de mal. Et qui pense à recruter de nouvelles troupes dans notre armée, nous en aurons certainement besoin. Ben oui, c'est prévu, merci. Je veux un archer. Oui. Comment on peut utiliser la ruse, là? Ah! J'aurais bien aimé passer par là. Dommage. Et là-haut?
Attends, il y a un chemin là. Oui, oui, il y a un chemin. Donc là, en fait, je peux passer tranquille. Est-ce que je le fais ou je me combats? Parfait, nous avons réussi à les prendre à revers. Nous allons pouvoir éliminer les archers en premier. Y a qui nous attendons en ordre? Ah bon, bah en fait, je peux commencer à partir de là. Ok. Tour des alliés. Bon, en fait, si je me mets là, coucou. Hop, elle, on va la mettre bien devant pour qu'elle puisse charger son truc. Toi, le plus possible avant pour charger. Toi, le plus possible devant pour charger. Et vous, bah, faites ce que vous pouvez. Ok. Ils nous ont pas vus, en fait. Maintenant, on nous attaque par derrière. Ah merde. Impossible, je ne vois rien. De l'autre côté, lieutenant, de l'autre côté. Ça perd l'hypopète, ce sont de fins stratèges. Tout le monde, sauf moi, chargé. Ouais, ok, ça devient déjà la merde, en fait. Ils se mettent comme ça. Mettez-vous en ligne, faites un truc. Ah ben voilà, un peu comme ça. Bon, maintenant on réfléchit. Si elle, je la mets là. Et que je fais glace. Là, c'est pas ouf. Par contre, si je la mets là. Là, c'est ouf. Ensuite, j'ai une ligne à partir de là. Très bien. Toi, tu vas avancer, mais tu charges un deuxième. Moi, je vais tuer ce con. Voilà. Ensuite, toi, tu te mets au milieu, tu protèges. Et on fait avancer nos deux péons derrière. Qui pour l'instant ne servent strictement à rien. Mais ça va venir. De toute façon, là, ils sont encore à corps, ceux qui sont loin. Ah, sauf lui. Salaud. Ok, Velvet, elle commence à bien ramasser, c'est pas bon. Donc c'est le soin. Ok. Ensuite, si je me mets là et que je fais mon machin, ça fait... Ah oui, c'est pas mal, ouais. On va le faire. Attends, je calcule. Non, c'est le mieux que je puisse faire. Badaboum. Ensuite, là... Au revoir, l'archer pourri. Paf. Bon, il n'y a plus d'archer, je peux approcher celui-là. Elle ne peut pas attaquer de loin. Donc elle va charger. Et toi, bah, tu essaies de te rapprocher encore une fois. De toute façon, ils vont tous venir par là. Donc. Alors, merde. Ah, il y a encore Framba. Il y a plein de choses à récupérer sur cette map. Merde, ça veut dire que sur les trucs d'avancée, j'ai raté. Peut-être. Ah, j'aime pas les c'est peut-être. Assez, c'est oui ou non. C'est labyrinthique en fait, donc. Je te laisse avancer et on verra. Non. Mais je veux attaquer, pourquoi il peut pas attaquer ce con? Peut-être qu'il faut. Ouais, fallait avancer. Pif! Toi, mets-toi devant, là. Charge un truc, on sait jamais. C'est utile.
Bon, au final, le combat s'est avéré beaucoup plus simple que je ne le pensais. Ah oui, surtout s'il sera... Oui, venez près de mes noms, venez. Ça va être drôle. Jouons tous à une on va rigoler. Salut, c'est moi, c'est mes noms. Punch. Paf, la pastèque. Merde, c'était nul. Parce que j'aimerais bien qu'elle... Ah merde, mais j'ai déjà attaqué avec. J'ai déjà fait une glace. Oui, t'as ah. Je me souvenais pas avoir attaqué le tour d'avant avec, avec elle. C'est pas grave. Pif! Et pouf! Mon dieu, j'ai tellement de points. Au revoir. Oh, mais non, il a pris tellement cher. Magnifique stratégie. À présent que l'ennemi se croit en sécurité, il faut profiter de notre avantage. Continuons. Non, je vais d'abord récupérer le coffre, merci. C'est Dalkin qui s'appelle le lieutenant, là? Ouais. Enfin, le nôtre. Mais... Ouais, mais s'il est fatigué et qu'il veut danser, où est-ce qu'il va? Dans un lit à baldaquin. Un manque de bruitage, clap clap quand même. J'ai pas su comment réagir. Alors attends, parce qu'il y a plein de choses. Bon, les ruines magie, c'est de là où je viens. Donc t'as récupéré le coffre, hein, c'est ça? Oui, et il y avait... J'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans, putain. Il y avait... Ah, du mana. Ouais. Voilà. Ici, il n'y a rien. Ouais, sur cette map, il n'y avait rien. J'avais regardé déjà. Bon. Ouais, non, je vois rien. À part la soupe, mais j'ai déjà appuyé dessus et il n'y avait rien. Non, la soupe, il me semble pas que, bon. Que ce soit. Ici, par contre, tu te rends compte que tu n'es pas du tout sur le fragment de glace. Tu le ouais. sais. Ok, donc c'était pour être sûr. Oui, oui, je m'en suis rendu compte, oui. Que j'avais lancé autre chose et que je sais même plus lequel c'est celui-là. Mais c'est pas grave. Ben, normalement, tu le sais pas, en fait. D'accord. Parce que t'as pas pris toutes les infos à la madame Mais si, je les avais déjà regardées au moins une fois, tout le monde, elle avait parlé de démonia. Ah d'accord, ok. Donc j'imagine que c'est ça, la guerre, gna gna gna, le lieutenant, mais je sais pas lequel c'est. Je sais pas si c'est celui de la terre ou du temps, je sais pas, on verra. Ok. Mais vu qu'on peut les faire dans le désordre, bah... Oui, vu oui. Que je suis lancé sur celui-là, bah j'y vais. Oui, oui. Tu peux pas descendre là, non? Bah je regarde, non. Il y a des trucs, apparemment je peux pas tout faire. Ah là, il y a un truc peut-être. Non, pas du tout. Il y a juste une hache. Non, là aussi, c'est une map où il n'y a rien dessus. Bon. Ben, alors, pour l'instant. Ah, bon, ben, je vais faire ça pour l'instant. Oui, je recrute un soldat. À côté de là, normalement, t'as un démon pas loin. À côté de là, j'ai un démon pas loin. Ouais, c'est la map de l'attaque surprise où tu es. Là, oui. Et normalement, il y a un démon où tu peux y accéder pour lui parler. Ah, bon, bah peut-être, je ne sais pas où encore. Ah, gauche. Là, peut-être, au-dessus, ouais. Ouais. J'avais pas vu ce chemin. Coucou, le démon. Que fais-tu là, toi? Je ne veux pas me battre. La guerre me fait horreur. Dans la famille, c'est mon frère Poutros qui était le puissant. Poutros le fort, tu es donc nulos, le jeune artiste intellectuel. Oui, c'est moi. Vous êtes donc bien le seigneur, mais non, je vous avais reconnu. Malheureusement, Poutros a été capturé et je n'ai rien pu faire. Je vous en supplie, seigneur, mais non, retrouvez mon frère et sauvez-le. Je suis sûr qu'il ralliera les démons en résistant à vos côtés. Tu peux compter sur moi. Si je le crois, je lui expliquerai ce qui se passe ici. Merci, mon seigneur, mais non. Oh, je peux le défier. Jouons en carte. On a autre chose. La guerre éclate, mais jouons en carte.
25 points de vie. Oh là là. Mais lui, si je le supprime, c'est que 1. Donc on va supprimer lui. Et tant pis, on va jouer ça. Ouf. Oh là là. Ah, j'ai juste besoin de 1 pour la tuer. Et on va lui mettre 2 dans la tête. Elle a tellement de gemmes. Oh là là. Là, j'ai peur. On va mettre notre super pirate. Pif. Pouf. Pirate Robert. Oh la vache! Toi, je vais te mettre là pour pouvoir gagner du mana. Et pour l'instant, ouais, on va faire comme ça là. Tant pis. Ok. J'ai eu peur en voyant 10 points de vie, mais il a qu'un d'attaque, donc c'est pas grave. Par contre, il va vraiment falloir que je défende ça. Ça là pour gagner du mana. Ouais, mais le pire c'est que. Pff, putain. Je vais quand même perdre des points de vie en fait, c'est le problème. Ah non, pas quand j'attaque, je suis con. Mais là, par contre, je vais en perdre. Non, mon pirate! Et mon truc! Oh là là! Ah, super, j'ai tout sauf un truc à 4. Bon, là, mon but, c'est de résister au moins un tour. Pour ça, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Et maintenant je pleure. Ah quoique non, mon écure. Non en fait j'ai perdu. Parce que là il va taper avec son gros machin et voilà. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok j'ai gagné. Ouf ! Ah ben il est facile ce jeu. C'était pas trop mal joué. Tiens, tu as mérité cette carte. C'est vrai que ça là, je l'ai mérité plus que toutes les autres, je pense. Roi des démons, Artus. Ouf. Oui. Ouf. Ouf. C'est la grosse carte qui faisait mal, ça. Ouf. Oui. Après non. Ça, donc, après la, ton combat oui. Sur la, l'attaque surprise, tu es parti sur la rivière Kauai. Oui. J'ai et tu avais la solution. Ouais. Et tu avais la solution donc de partir vers la rivière Kauai ou d'aller vers le nord. Oui. Les armes où, secrètes. Je sais pas quoi, ouais, c'est une map avec trois points de comment ça s'appelle d'interrogation. Ah bon. Moi j'ai ça, après ça s'appelle peut-être les armes secrètes, hein, je sais pas. Oui, ça s'appelle les armes secrètes. Voilà. Est-ce et que ça s'appelle ça bon, y a probablement. Oh, y a des catapultes. D'accord. Lieutenant. Y a probablement. Oui. Et je sais pas si c'est exactement là, mais ensuite il y a un champ de fleurs. Ouais. Où il faudra rentrer dans le champ de fleurs. D'accord, ok. Voilà. Bah, je pense que je l'aurais vu en y allant, mais... Ok. On verra. Nous allons faire le siège de Démonia. Il nous faut à tout prix conserver ces catapultes en parfait état. Je compte sur vous pour les protéger pendant le trajet. Monseigneur, vous êtes un grand magicien. Oui, oui, c'est exact. Vous devez donc avoir d'immenses pouvoirs, des reliques surpuissantes, non ? Oui, oui, bien entendu, mais où voulez-vous en venir au juste ? Alors pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines? Vous pourriez les faire voler, les téléporter, ou les protéger avec un bouclier magique? Non? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance. Quel enfoiré. Et la moindre égratignure sur les catapultes sera retenue sur votre solde. Soldat, en avant! Mais, lieutenant, Démonia est de ce côté. Vous en êtes certain? Bon d'accord, demi-tour. Mais qui sont cons. Mais non, pas moi, vous. Non, pas vous, moi. Enfin, le contraire.
Bon, reprenons depuis le début. Mais qu'est-ce qu'il est débile. Mais c'est terrible, ces machines vont faire des centaines de victimes. Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Démonia. Il faut intervenir. Très bien, rien ne sert de continuer si ces engins de mort parviennent à leur fin. Réduisons-les en miettes. J'ai fait mes achats du dernier combat. Oui. Ah, c'est dommage, à quelques trucs près, je pouvais... Est-ce que là aussi, je peux utiliser la ruse? J'imagine que oui. Genre... Coucou! Au lieu d'y aller frontal. Allez, tour des alliés. Oh putain, j'ai vraiment peur des catapultes là. Donc toi tu vas charger. Toi tu avances et tu charges. J'aurais pas dû faire ça, tant pis. On va mettre eux devant, on attend. Eux devant, on attend. Toi tu charges en attendant. Toi, tu te mets là, mais tu peux attaquer de loin, très bien. Pif. Oh la vache, ce qu'il lui a mis! Toi, t'attaques, pif. Aïe. Et toi, tu nous défends. Oh, ça va, elles font que 7, mais elles tirent de loin. Ou est-ce que c'est parce que c'est Dalkin et qu'il a beaucoup de défense? Je ne sais pas. Par contre, oui, groupez-vous, groupez-vous. Je vais faire un sort de glace, là. À base de petits gâteaux, ça va être bon. Oh, la vache. Les recrues, elles sont tellement faibles. En fait, défendre, c'est une bonne et une mauvaise idée. Parce que quand je défends, je peux pas faire une contre-attaque. Aïe. Oh, la vache, qu'est-ce qui m'a piqué comme ça, là? Pardon, hein, mais... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, toi, tu vas bouger, parce que j'ai besoin de la ligne. Merci. Pif! Aïe. Alors, attends. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre là. Je vais faire le slash. J'en slish. C'était pas mal. Puis ensuite, je mets L devant pour faire la glace. Vlouche. Voilà. Et lui, il va... Il va se mettre là et charger encore. Parce que l'attaque bien chargée, ça fait bien mal aux fesses. Toi, tu vas avancer un peu, mais pas trop. Et tu fais une attaque de loin sur les recrues. Voilà. Moi, je vais me mettre devant. Et tuer ça. Et mes soldats, ils vont tuer le machin là. Attends. Si je peux me mettre là, c'est mieux. Paf! Très bien. Et ils vont faire office de première ligne. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Les archers arrivent. Et là, c'est chiant. Ah oui, rapprochez-vous, mais non, il va vous éclater la tête. Alors là, prochain tour, mais non. Oh, il va tellement leur piquer les fesses. J'espère ne pas mourir avant. Oh non, il lui reste 2. Je vais mourir. Oh, 3 points de vie. Eh bien, c'est une catastrophe. il faut éliminer ça. Alors attends. Zouf. Voilà, comme ça au moins le passage est disponible. Pour Ménon, qui va faire son super punch. Voilà. Ensuite, elle, elle va derrière, elle soigne. Que 32. Avancez, faites un truc. Charge. On sait jamais. Toi, t'avances. Tu protèges. Toi, tu te mets bien devant, en évident, genre, tapez-moi s'il vous plaît. Toi, tu te mets là. Et moi, ben, je vais me mettre ici. Et j'attends. Non mais la catapulte elle doit... Holy fuck. C'est une catastrophe. Ah. Alors attends. Première chose. Soin.
Deuxième chose. Là. Pour attaquer chose. Pif. Ensuite, si lui se met là, il peut attaquer l'archer tranquille. Et il le tue. Bravo Yves. Et la catapulte. Ah, mais elle a que 10 points de vie. Oh, mais j'avais pas vu. Bon, ça va. Easy. Ensuite, elle. Elle fait la glace sur lui pour pas qu'il riposte. Et maintenant, mais tout le monde attaque. Pif. 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 Ah ah ah. Pif. Je vais apporter le coup de grâce. Pif. Facile. On a détruit toutes les catapultes. Oh non, je vais pas pouvoir faire évoluer un soldat en cheval. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les seuls dont dispose Magus. Il faut continuer sur cette route et les rattraper. Sinon, ils s'en serviront pour s'emparer de Démonia. Alors, qu'est-ce qu'on peut fouiller ici? Il y a plein de tentes. Bon, les tentes servent à rien, très bien. Ensuite... question con, est-ce qu'il y a un truc caché sur cette map? La map, c'est... La... Comment elle s'appelle? Les armes secrètes. Alors, les armes secrètes... Pour savoir si je continue de fouiller ou pas. Suite de ça, vous prenez... j'ai pas... Non, j'ai rien noté. Bon. J'ai déjà fait le tour par le haut, si tu me dis qu'il y a rien, on s'en va. Alors, le parterre de fleurs qui est là-bas, je pense que j'y serai allé, ouais. Oh mon dieu, un coffre. Il est assez évident, je pense. Ouais, Dalkin, en carte. Oui. Ok. Bon, on continue. Je suis un os parterre de fleurs. Genre, vraiment. T'es déçu par rapport à quoi? Bah, il me manque quelques points pour... merde. Il me manque quelques points pour merde, voilà. Mm-hmm. Il me manque quelques points pour faire évoluer un type en... Ah là, c'est par terre de fleurs, y'a rien, ok. Attends, celui qui avait tout là-haut? Ben, je peux pas encore y aller. Ah bon? Je fasse le niveau avant. Y'a pas un passage? Ben non. Tac, 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 tac. Le pont. Maintenant, le colonel Dakin et ses amis commencent à me poser problème. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors... Non, il me semblait qu'il pouvait le contourner, en fait, mais ok. Non, je pense pas. Il faut les arrêter. J'ai donc décidé de leur tendre un piège, moi. Si vous pouviez ne pas rire comme ça, monseigneur, vous me collinez de ces genres de poules. Bon, voilà ce que nous allons faire. Vous, vous restez ici avec quelques hommes. Oui, monseigneur. Vous les attirez comme vous pouvez. Oui, monseigneur. Et pendant qu'ils vous étripent, des renforts surgiront par derrière pour les vaincre. Oui, mon... Je ne suis pas certain d'avoir saisi tout le plan. Un détail me gêne. Mais non, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Si vous le dites, monseigneur. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, est-ce qu'on peut ruser? J'en regarde, il me manque rien. On va attendre un peu avant d'avoir un cheval. Ouais. Pour l'instant, ça passe bien. Donc on y va. Est-ce que je peux utiliser la ruse? Oh. Bah. D'accord. Est-ce qu'il y a une ruse sur ce niveau ou pas du tout? Bah, je crois pas, malheureusement. Parce qu'il y en a qui vont arriver par derrière, ils ont dit. Rendez-vous, vous êtes faibles et peu nombreux. Nous pouvons éviter le bain de sang. Mais non, il faut toujours dire s'il vous plaît si tu veux que les gens t'écoutent. Vous avez raison, mademoiselle Fina. Rendez-vous, nous vous massacrerons, s'il vous plaît. Mais non! Ah non, ils sont déjà là, on va tous y passer. Vite, appelez les renforts. Mais le seigneur Magus a dit d'attendre de se faire attaquer. Pas question que j'attende. Appelez les renforts et tout de suite.
Oh fuck. Ils ne sont pas du bon côté. La situation est loin d'être idéale. Nous sommes quand même encerclés. Il faut gérer cette crise avec calme. Ouais. Ouais. Je comprends pas. À combien de cases il attaque, lui? Je sais pas. Ah. 1, 2... Attends. 1, 2, 3, 4. Il attaque à 4 cases. Très bien. On va charger... On va se mettre là... Oh, on peut se mettre là, très bien. On va protéger... On se met là... Non. 1, 2, 3, 4. Donc... On attaque qui on peut avec lui. On attaque qui on peut... non, on t'en faire une charge elle aussi. Et moi je me mets là. Et j'attends. Toi tu te mets là. Et toi tu te mets là. Ça va être une catastrophe ce niveau, je pense. Il va falloir que je réfléchisse. Catapulte. Pardon ? Catastrophe, catapulte. Ouais. Lol. Bon, ça me plaît pas vraiment hein, cette disposition. Bon, déjà, je peux faire un punch ici. J'en touche que deux. On va le faire quand même. Ensuite, elle, elle va se mettre là et elle va faire le slash ici pour tuer la catapulte derrière. Oh, elle a tout buté même. Toi, tu remontes pour attaquer de loin. Pif. Elle, c'est elle que je sais pas placer là. Jamais là. C'est pas mal. Très bien. Toi devant. Paf. Toi là. Ok, très bien. Oh la vache, mais ce qu'il met, lui. Très bien. Oh merde. J'espère qu'il va pas me tuer un... Ok, c'est bon. Pif. Très bien. Allez, maintenant on défend. Enfin, on attend qu'il vienne s'écraser contre nous. C'est une bonne idée. On va faire ça. Donc toi, charge. Toi, charge. Toi, tu soignes la chose. Toi, mais là... Toi, tu protèges. Toi, tu peux te mettre devant parce que pour l'instant, tu crains rien. Ok, tu crains. Mec là. Et toi, tu vas attaquer le con ici. Pif. Ok. Bien qu'elle prenne la place de Ménon. Donc, hop. Faut reprotéger. Elle, glace par là. Voilà. Ménon, il punch. Très bien. Moi, je termine. Elle avale mon petit...
Mais non, je voulais pas qu'elle attende. Oh, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Toi, t'attends là. Toi, t'attends là. Et toi, tu te rapproches. Pour attaquer lui. Ouf. Yes. Très bien. Mega Clink. Pif. Oh la vache. On cogne tellement comme un dératé, c'est n'importe quoi. Bah lui aussi, il est 86. Bon bref. Toi tu vas te mettre là. Il tue la recrue. L'archer très fort, hein, cela dit. Toi, tu protèges. Toi t'avances comme tu peux. C'est le soin, on sait jamais. Hop. Et toi, tu vas charger. Pif. Vu que c'est le seul qui reste, c'est la glace. On l'attaque. On l'attaque. On l'attaque. On l'attaque. On l'attaque. Et celui qui a le plus de vie des deux, on l'attaque. Et toi, tu attends. Et c'est fini. Ouf, on s'en est bien sorti. Par contre, il leur restait des catapultes. Ils doivent les fabriquer non loin d'ici. Il vaudrait peut-être mieux explorer les alentours. Le temps presse. Je propose plutôt de rejoindre Démonia au plus vite. Trêve de bavardage. Suivant Yatiki. Je vais dire mon prénom. Bon, est-ce qu'il y a un truc caché, là? Apparemment, non. Et derrière, non. Pardon? Catapulte, c'est ça? Ici? Ouais. Non. Ça s'appelait... le pont. Ah. Juste le pont. Le pont, je l'ai pas, en fait. Bah, y'a rien. Les catapultes, c'est bon, j'ai trouvé. Lieutenant, que font les troupes de Dalkin ici? Auraient-ils compris que nous fabriquons nos catapultes ici? Ne vous en faites pas, monseigneur, ils n'iront pas plus loin. Vous voulez dire que vous avez un plan? Tout à fait, monseigneur. J'ai positionné nos troupes à plusieurs points stratégiques afin de surprendre l'ennemi. Parfait. Avec le sort que j'ai lancé sur la forêt, notre victoire est assurée. Un sort, monseigneur? Il empêche quiconque de retrouver son chemin dans la forêt. Nos ennemis doivent donc être en train d'errer dans ces bois. Il ne restera plus qu'à les écraser avec nos troupes. C'est moi ou la vidéo est... Non, c'est pas moi. Ça tressaute. Oui. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, c'est mes yeux, je deviens fou. C'est le jeu, non? Ouais, ouais, c'est le jeu, ouais. D'ailleurs, où sont-elles, nos troupes? Le problème, c'est que je les ai justement envoyés dans la forêt. Oh putain, mais c'est une catastrophe. Eh bien, nous avons effectivement un petit problème de coordination. Je vais lever l'effet du sort immédiatement. Il n'est peut-être pas trop tard. Finit incantatem confundo. Oh. Oh putain. Bon, voilà qui devrait être suffisant. Récupérez nos troupes et éliminez-moi ces importants. Oui, monseigneur. Oh putain. C'est un combat secret. Oh non. Y'a qui? Dalkin? Velvet? Où êtes-vous? Oh mon dieu, ça va être insupportable. Oh non, j'aime pas. Il semble que nous ayons été séparés. Ah, ça va être dur. Nous sommes ici, le seigneur Dalkin et moi. En revanche, il semble que nos troupes soient encore perdues dans cette forêt. Essayons de nous rejoindre, soyez prudents. Oh putain, ça va être tellement difficile. Ouais, achetons des trucs, ouais. Bon, si je veux bien un cheval. Oui, j'ai un cheval. Et j'achète une vieille troupe. Oh, je peux acheter plein de vieilles troupes. Ok. Oh, putain, ça va être dur. Ah, toutes mes troupes sont là. Ouais, à la file. Oh, putain. Allez, va falloir se rejoindre très vite, ouais. Le cheval, il va protéger... Ah, non.
Ah, je fais quoi? Est-ce que je vais péter une catapulte très vite ou pas? Je sais pas combien mon cheval est fort ou pas. Il a 50 d'attaque, 15 de défense. Ah oh, putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça. 42. Bon. Il va se mettre là en attendant pour défendre. Ah oui, quand même. Attends, parce qu'au pire, si je me mets là. Ouais, mais je risque de me faire éclater la gueule. Pif. Comme ça, au moins, lui, il nous foutra la paix. Et tant pis, c'est toi qui vas te mettre devant. En attendant. Ensuite, Fina. Elle va se mettre là. On va charger un truc, on ne sait jamais. Et toi, pareil, tu vas te mettre là et tu vas charger. Ensuite, elle. Elle va se mettre là, elle va charger. Oh merde. Bon, mais toi, tu vas te mettre là et tu vas la protéger. Voilà. Bon, ça sent très très mauvais cette position. J'aime pas ça. Après, je vais pas prendre beaucoup beaucoup de dégâts, cela dit, mais. C'est surtout en haut là que je crains pour mes unités. Oh! Bon bah adieu le chevalier. Il aura pas fait long feu celui-là. Parce que la catapulte elle va arriver, elle va faire. Ah, elles ont pas trop trop de. Cela dit, elles ont pas trop de port. De déplacement, mais elles ont de la portée. Oh putain, c'est bon, c'est le soldat qui a pris. Ouf! Bon, ouais, on va commencer par en bas. Ah, mais y a un archer pourri là! Je me suis bloqué tout seul. Oh merde. Bon, est-ce que je peux exploser un chevalier ou pas? Pas trop. Genre pas ouf. Putain. Ah mais mes recrues elles vont rien faire contre lui. Eh bien voilà. Bon écoute, les recrues c'est fait pour mourir. Voilà. On va dire ça. Parce que là c'est la catastrophe. Sus. À la catapulte. Oh non, mais il est nul à chier. Et lui, il a pas de vie quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avec lui, on essaiera de KS. Et lui, ben. C'est une catastrophe. Le haut, c'est une catastrophe. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, le haut, c'est une cata. Tu vas me dire, le bas, c'est pas mieux agencé non plus. Je me suis bloqué tout seul. Là là! Bon, bah alors lui. Ouais, là, ça sent vraiment mauvais, là. Mais putain, mais. Oh mon dieu! Ah, si je peux recommencer, ça m'arrange là. Voyons voir ce que ça donne. Cheval contre cheval. Ah, quand même! C'est bien, cheval contre cheval. Mais mon cheval va crever. Attends. Sauf si. Oh non, pas assez loin. Et elle? Ah! Voyons le super slash. Ah oui, quand même. 144. Oh, ça va. C'est tout. Parce qu'en fait, quoi que je fasse, eh bien, il va mourir de soit la catapulte, soit de lui. Tant pis. Adieu, cheval. Ok, donc là, je vais ramasser.
me suis mal placé avec lui. Je fais n'importe quoi. Genre, y a pas d'autre mot. C'était pas un combat facile à appréhender en même temps. Ouais, enfin... J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant, surtout. J'aurais dû faire les autres avant. Je savais même pas que c'était un combat, ici. Moi non plus. Oh, putain. Tiens, toi, tu vas mourir. Pif. Oh oh, mais en fait oui, je pense que là je vais mourir. À l'aide! Courez! Fuis cheval! Va jamais crever par contre. Bon, c'est super dur. Oh merde. Ok. C'est pas mal. Bouger surtout parce que t'es en train de tout me bloquer. Le pouvoir du cheval. Pif. Pif. Putain, j'avais pas vu que c'était le lieutenant. Bon, c'est pas grave. Parce que je recharge. Ensuite. Est-ce qu'elle le tue? Oui. Très bien. Et vite, on supprime la catapulte. Voilà. Je me demande ce que deviennent de mes unités qui sont mortes. Est-ce que ça fait comme dans le vrai Fire Emblem ou pas? Parce qu'avoir perdu mon archer, là, je chiale. Ça me va pas. Oh là là, mais c'est de pire en pire. On peut recommencer. S'il vous plaît. C'est une catastrophe. Genre, s'il vous plaît. Laissez-moi recommencer. Je refais plus, promis. Ah ouais, là, ça a été vraiment compliqué. Oh putain de merde. À l'aide! Mais je vais mourir. Oh putain, mais c'est pas possible. Poussière de diamant. Par la poussière de diamant. Attends, parce qu'il faut qu'elle se mette là alors. Voilà, comme ça moi je touche la catapulte derrière. Soin. Paf. J'imagine que la poussière de diamant ça dure pour 2 tours et donc il peut pas attaquer. Ouais, j'ai rien dit. Oh merde. C'est une cata.
Undying Sword. C'est bon, Dalkan va survivre. Du moins, j'espère. Pif. Oh, mais non, mais c'est une blague, ce jeu vidéo. Je viens d'avoir le 1 point de vie. Ouais, ouais. Putain, t'as beaucoup de retard, je trouve. Ouais. Tu es là! Ouais. Est-ce qu'à l'autre aussi, il va lui mettre un point de vie ou... Ah non, mais elle avait moins de vie déjà. Bon, nous avons trouvé l'atelier de fabrication des catapultes ennemies. Nous allons pouvoir en produire nous aussi. C'est une grande victoire. Ah, cool! Magus ne fera plus souffrir mon peuple bien longtemps. En route pour Démonia. Bon, c'était une cata. Il n'y a pas d'autre mot. C'était l'enfer. Donc ça, c'était juste pour construire des catapultes. Il y a un truc caché. Apparemment, ouais. Oh putain. Apparemment. Bon, voyons voir. La ah map non, ils sont de... là, mes bonhommes. Oh, mais personne ne meurt. Ce jeu est trop simple. Bon, tant mieux. Hein? Tant mieux. Ouais, mais... Ouais. Mais en fait, si personne ne meurt, oui, le jeu est un peu simple. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver sans unité. La map de l'embuscade. Ouais. Est-ce que tu avais récupéré un coffre ou pas? Oui. Il y avait le mana dedans, non? Non. Ah, bon. J'y retourne. Alors, ça, c'est quoi? C'est le pont. L'embuscade, tu dis. Les armes secrètes. L'attaque surprise, le poste avancé, le débarquement. Bah, en fait, j'ai pas fait encore l'embuscade. Ah bon? La rivière Kawaii. Ouais, ouais. Je crois il que c'est ça. Il semblait qu'on en avait parlé tout à l'heure. L'embuscade. Non, non, je l'ai pas fait. D'accord, ok. J'y vais. Ah, on peut utiliser la ruse. Yatna! Nous avons perdu le pont sur la rivière Kawaii. Si nous ne voulons conserver. Oui, si nous ne voulons conserver nos lignes de ravitaillement, il faut le reprendre. Je vous confie donc ce bataillon d'élite. Foncez sans vous arrêter. Sans m'arrêter. Oh putain, je viens de voir l'heure. C'est long cet épisode. Ouais. J'ai comme une douleur à l'estomac. Aïe mon ventre. Je ne peux plus me retenir. Soldat, ne bougez plus. J'ai une mission importante à accomplir. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est nul ce personnage. Les troupes ennemies se sont engagées dans le défilé. Il faut utiliser l'environnement à notre avantage. Je pense que nous pouvons attaquer le bataillon sur 3 fronts distincts. Ben, les archers, on a en premier, moi, je trouve. Enfin... Parce que là, les... Les recrues, c'est pas ouf. J'ai les archers derrière. Alors que là, si je prends de suite les archers... Ouais, non, je vais peut-être faire ça, ouais. S'il faut, c'est le plus difficile que je choisis, mais c'est pas grave. Chargez ! Tour des alliés. Ah non, je peux de suite leur péter la gueule, donc tout va bien. C'est ce que je veux au final. Oui, je vais faire comme ça. Paf! Oh la vache, ma catapulte a fait tellement mal aux fesses. Thank you.
Allez. On a bien commencé. Il y a du monde quand même. Mais c'est pas grave. J'ai une bonne défense tortue là. Je suis un peu concentré, c'est vrai. Je parle pas beaucoup, je fais pas de blagues. Non, mais c'est bon. Ah, c'est tellement... tellement le boxon, ce genre de choses, que... Pif. Ok, ça, c'est fait. Ensuite... Oh non, je peux pas sortir. Merde, il est pas mort. Maintenant, il l'est. Donc, je peux passer. Toute logique, très bien. Le punch. Le cheval, c'est génial. Oh putain, ils ont tellement de vie. Hein. J'aurais dû faire ça avant. Ouais, j'aurais dû faire ça avant. Tant pis. Toi, tu vas soigner Dalka parce qu'il en a besoin. Merde! Pif! Et la catapulte, elle va taper qui? Ça. Lui, il est chiant. Lui. Et toi, tu vas aller one-shot un des trucs ici. Genre, baf! Parce que même s'il me l'attaque, il risque de pas me le tuer. Ouf! Ouais, la recrue. Oh non, la recrue, elle va mourir à cause de l'archer. À tous les coups. Genre, l'archer, il va choisir que ça. Pif. Oh, le chevalier, incroyable. Ça rend fort. Oh, c'est Ménon qui a pris. Ouais, j'ai bien fait de prendre le flanc du milieu, quand même. Le flanc. Pif. Ensuite, mais non. On va le soigner, là. De partir au combat. Pomme. Ensuite, Dalkin, il va aller aider Ménon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense. Toi, la recrue, tu vas attendre. L'archer, il peut toucher personne, donc il va se mettre là. Ça, c'est fait. Le cheval, il va se mettre là. Elle, elle va charger un truc pour aider. Le spadassin se met là. L'autre cru peut se mettre là, j'en ai rien à foutre. Pif. Ok. Merde. Ouf. Prends cher. J'aurais dû faire ça avant. Est-ce que. Ouais, je vais glacer lui parce qu'il est chiant. Bim, la catapulte dans la tronche. Et alors, mon petit cheval, là, il fait des bons dégâts ou pas? Ah, quand même, oui. D'abord, on va utiliser ça. Il va mourir, c'est vraiment machin, genre. Ah oui, il va mourir. C'est pas grave. Putain, il faut que 29. Oh, la vache! De toute façon, c'est pas grave, ils ressuscitent. Donc je peux les mettre devant. Par contre, on va essayer de sauver Ménon.
Oh non, ma recrue. Ouf. Ah, faut trop. Et c'est le monstre de la fin. Pif. Je pense que je vais faire que des archers. Ils sont vraiment bons. Pif. Oh putain. T'as ben, je te donne le droit de tuer recrue. Vas-y, pif. Ouais. C'était le bon choix. Ah, comme Leslie, on a fait le bon choix. J'en étais sûr. Continuons à rassembler des troupes. Ok, donc là, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose. Est-ce qu'il y a le caca de... Non, il n'y a pas le caca. Hop là. C'est l'embuscade ? Oui. Juste avant de sortir de la map, vous avez un passage au nord. Pour cela, marchez sur les branches. Oh, il faut marcher sur les branches. Ah bah oui, là. Ok. Ah, je le vois. J'ai vu le coffre. Étoile. Bah merde, c'était pas le bon chemin. J'ai pas fait le bon choix au final. Clic. Qu'est-ce que c'est ? Une pizza sans fromage. Oui. Qui a eu cette idée sur Grenu ? Une pizza sans fromage ? Est-ce que c'est ça qu'il va falloir que j'amène à Wokdonald ? J'ai un steak et une pizza sans fromage. Du sucre et une fraise. Les démons. Bon. Ah, attends, ça lance un combat ou pas ? Attends. Oh oui, je pense, oui. Bon, mais j'ai eu la sauvegarde, je peux arrêter là, s'il y a besoin. Je cherche les démons, moi. Lieutenant, les forces de l'Empire marchent sur nous. Nous devons réagir. Réagir à quoi ? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. J'ai trouvé des démons assez bêtes pour croire que protéger l'Empire, c'est bien. Il nous suffit de les utiliser comme boucliers. Comme boucliers ? Oui, comme boucliers. Nous allons les placer devant nos troupes pour qu'ils prennent les coups à notre place. Ah, mais oui, bien sûr, ah, devant nous, comme des boucliers. Mais sans les porter, donc. Je me disais aussi. Je ne veux pas savoir ce que vous aviez compris. Je compte sur vous pour trouver une façon de l'expliquer aux démons. À vos ordres, monseigneur. Est-ce que c'est Fortiche, là, ou je sais plus comment il s'appelle ? C'était Poutros. Poutros et Nulos. Amis démons, votre jour de gloire est arrivé. Défendez votre pays face aux envahisseurs. Si nous anéantissons cette armée, nous aiderez-vous à attaquer l'Empire. Bien entendu, le grand Magus est tout puissant. Avec lui à vos côtés, vous vengerez de l'Empire. S'il est si puissant, pourquoi il ne se bat pas avec nous ? C'est vrai ça, pourquoi ? Cela ne vous paraît pas injuste ? Si, si, tout à fait. Il a l'air sincère. Ou est-il simplement stupide ? Les deux. Écoutez, la prochaine fois, je lui demanderai de rester, ok ? Je ne suis pas certain de leur faire confiance, mais quel autre choix avons-nous ? Si seulement notre roi avait survécu. Ils envoient des démons en première ligne. Comment ont-ils fait pour convaincre de combattre à leur côté ? Je reconnais bien là la perfidie de Magus. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Je ne veux me battre contre les miens. Peut-être pourrais-je les convaincre ? Malheureusement, la dernière fois que nous avons essayé, cela ne s'est pas bien passé. Il doit pourtant y avoir un moyen. Bon, faisons des petites emplettes. Bienvenue dans la tente de commandement. Alors, je veux des archers. Et des archers. Non. Je veux un archer. Oui, c'est bien les archers. On aime les archers. Merci. Est-ce que j'arrête là ? Vu l'heure. Ben, je t'avoue que ce combat, je ne l'ai pas dans la liste, en fait. Donc, je sais pas. J'arrête là ? Je sais pas, comme tu veux. Il y a d'autres combats après, donc... Ouais, y en a plein. Logiquement, ça aurait été bien de terminer cette zone, mais il reste encore quand même certains combats, donc je pense que ça peut être oui, un peu long. Il y en a un, deux, et le boss de fin. Ouais, voilà, donc on a trois combats à faire. J'arrête ? Ouais, on va arrêter là, on reprendra plus tard. Bon, ben encore merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On a bien avancé, mais on va dire que sur un truc en particulier, cela dit.
Mais bon, t'as quand même bien avancé ici aussi, hein. Ah oui, j'ai bien avancé. Ouais. Et puis surtout dans le colisée de merde. Bref, si j'avais pas refait, peut-être que j'aurais pu faire ce combat. Alors, sur ce, ben, on vous dit à plus. J'ai pas trop d'infos de quand on reprend Evoland 2. Ouais. On vous tiendra au courant assez vite, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Et Discord. Sur ce, à dans une heure pour du Dofus. Ouais. On reprend ce qu'on a fait hier. Faudra d'ailleurs voir avec l'un d'entre nous s'il a bien droppé le chapeau qu'on a tenté de choper hier. Et en attendant, allez boire un coup, levez-vous, marchez, faites un truc. Et puis les bisous, comme d'hab. Allez, bisous, à tout à l'heure. À bientôt, à tout à l'heure.